السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو هادي اللي هي لا بروميير كابسول اللي غادي نديرو في هاد ليميسيون اللي كنديرو فيها دي انترفيو مع لي جون انتربرونور ماروكان. حنا كاينين في سيزيام ايطاج ديال لوتيل اي دو كونفور والمنظر اللي مورانا اللي قدامنا بلوتو موراكم هو هذا. معنا اليوم يوسف غالم. يوسف غالم صباح الحمد لله سي كريم بارك الله فيك. شكرا حيت جيتي اليوم. سي توجور افيك فون بليزير. الله يحفظك الله يبارك فيك. غادي نبداو ديريكتومون تقدم لنا راسك. بيان سور دونك يوسف غالم بيانتو 29 ans جون كازابلانكي de formation d'ingénieur. Tchrèche en 2010 min l'INSIAS, qui est une école d'informatique à Rabat. Et école d'ingénieur. J'ai fait classe préparatoire ici même à Casa. Et à part ça, je suis un grand passionné d'entrepreneuriat, de sport, de foot, voilà, de digital aussi. D'accord. Je suis parti en 2010. En 2010. Donc, j'ai commencé par intégrer l'assurance économique en Fanaya. La première expérience n'a pas duré plus que 2 mois. J'ai fait abandon de poste. Très bien. Du jour au lendemain, ça fait, j'ai pas continué. Deuxième expérience a duré 6 mois. هاد المره ماشي انا اللي غبرت مي لومبلويور تاعي هو اللي ما بغاش يكمل معايا. داكور باسكو بدينا بواحد لارانجمون اي ان سيرتان مومون داك لارانجمون ني تي بلو ريسبكتي اي دو كو جي فيني بار ابوندوني بار مو ديموتيفي دونك فوالا دونك 6 mois ça n'a pas duré plus. La troisième expérience par contre elle a duré 2 ans. C'était dans une banque et j'assurais la fonction de chef de projet. D'accord. Et voilà, fin d'expérience à l'île, ma principale motivation c'était d'épargner de l'argent. Parce que je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire de ma vie, mais au moins je savais que j'allais avoir besoin d'argent à un certain moment. D'accord. Et Oktesh, tu as décidé de te lancer sur l'entrepreneuriat? Ben exactement, je suis fin 2012. Fin 2012, j'avais rencontré un ami. Sahbi Gali Eji Youssef, un tlaqamak. J'ai besoin de te parler d'un projet. Moi, je pensais qu'il allait me parler d'un projet, tu vois. En fait, il allait me présenter un projet, il y a un produit. Et je me suis dit, d'abord, ils sont des jeunes, ils sont en train de faire leur propre thing, leur propre projet. Alors, tiens, je me suis mis ça en tête. Et en décembre 2012, j'ai eu l'idée de lancer un site web éducatif, gratuit, un petit peu comme la Khan Academy, parce que c'était mon inspiration à l'époque. Le site c'était Kezako. Alors kezako.com. Exactement, K-E-Z-A-K-O. D'accord. Et je ne connais pas Kezako, donc mon père, qui offre les lycéens donc, les vidéos de maths, physique, SVT. D'ailleurs, SVT ça marche beaucoup, le site d'Yanna. C'est un site gratuit, nous avons 1000 vidéos. Ou Inch'Allah, le MJ a un grand partenariat qui est en train de se dessiner avec un sponsor. D'accord. Donc, est-ce que Kezako a créé une entreprise En fait, au début, quand j'ai créé Kezako, c'était un site web. Je me suis dit, je vais créer un site web, mais derrière, je vais créer un Sherika, un SMS Miyakura. Je vais même faire un peu le site. C'était quoi Sherika? Smita ACF Group. ACF Group, d'accord. C'est le groupe à la base quand il y a les contenus éducatifs. Exactement, création de contenus éducatifs. On a créé d'ailleurs 200 vidéos avec un client pendant les 2 dernières années. Mais à un certain moment, on s'est rendu compte que le besoin sur le marché marocain, ce n'était pas un besoin de MOOC, M-O-O-C, qui veut dire les cours en ligne. Ce n'était pas un besoin de création de contenus éducatifs. Donc du coup, on a fini par pivoter petit à petit l'activité du marketing digital. D'accord, donc même l'éducation, le marketing digital. Exactement, oui. Qu'est-ce que tu as fait le changement là ou qu'est-ce qu'il y a la leçon à tirer? Le changement, en fait, on l'a fait de manière progressive parce que on était convaincu que notre produit il allait cartonner, il allait super bien marcher, qu'on faisait des contenus de qualité et surtout ce qui nous avait mis en confiance, c'est le fait d'avoir eu un gros client en Loul. Mais il s'est vite avéré que le modèle Mekan Shahidon Bzef. Parce que ma prenais des clients film Maghreb en tout cas. Et à un certain moment, Kenar Asna était en train de vivre uniquement du premier client. Donc, ça, la trésorerie au slot 0 et on devait prendre une décision. D'accord.
D'accord. Donc vous avez changé. Oui. Et ça, c'est, si on peut dire, c'est une leçon pour les entrepreneurs, ou les jeunes entrepreneurs, ou les nasles qui chauffent à la vidéo, c'est qu'en entrepreneuriat, on ne peut pas rester rigide. Exactement. Il faut être super flexible. Il faut suivre les opportunités et suivre les tendances du marché. Donc, Clean Lean Startup, d'ailleurs, c'est un, book, c'est un ouvrage qui est écrit par Eric Rice. Je pense, Karim, tu peux ajouter la couverture sur la vidéo. Oui. Lean Startup, c'est, il parle de pivotage. Donc, quand vous avez un projet, une idée de startup, qu'il y a deux résultats. Qu'il y a IMA, ça va marcher. Qu'il y a trois résultats. IMA, ça va marcher. IMA, ça va échouer. IMA, ça va échouer. On peut pivoter d'excès. Ça veut dire on va passer à une activité connexe, une activité différente, qui cette fois-ci pourra assurer des revenus pour la boîte. D'accord. Il a vraiment récemment l'expérience de la création, une bête, un ou la main, et puis d'abord. Oui. Ben donc la création au début c'était la phase des comptes bancaires. Donc il y avait beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté de bien faire. Et en même temps, ça peut pas être parfait. Il y avait de la naïveté, chouïa. Il y avait le manque d'expérience. Oui, mais quand nous, safe de Hedden, dès que le début de l'aventure. Et ce qui s'est passé, c'est que l'AMLO, alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. C'était en 2013. On avait remporté des prix, Startup Web de l'année, puis Maroc Web Awards, Maroc Startup Cup, organisé par OCP Foundation. On était très actifs. D'ailleurs, ça, c'est ce qui nous a valu l'intérêt des partenaires, des entreprises, ou même des investisseurs. La première année, mais la deuxième année, donc il ben où je suis les limites un petit peu de mon expérience, c'est j'ai commencé à faire des erreurs qui ont coûté ce qu'elles ont coûté, mais en même temps moi je valorise les erreurs d'exemple parce que moi ce que j'ai à vous dire en tant que jeune entrepreneur, tant que vous n'avez pas commis l'erreur, tant que vous êtes une personne perfectible, c'est-à-dire avec les tant que vous n'avez pas échoué, je n'ai pas situation quelque part. Donc zéro. Exactement. Tu voulais échouer beaucoup et vite. Exactement. Rapidement. Oui. Mais le plus rapidement possible. Exactement. Il faut échouer rapidement. Oui. Donc d'abord, actuellement. Actuellement, alhamdoulilah, les choses se portent très très bien. Donc déjà au niveau de Kezaku, je suis en train de sécuriser un partenariat pour la rentrée scolaire prochaine. Sur ACF Group, qui est devenu maintenant une entreprise de communication digitale, on a des clients Fkaza, on a trois clients aujourd'hui. L'objectif d'Yanahim, pour faire trois clients, pas plus, parce que c'est important d'avoir des revenus stables en tant qu'entrepreneur. Oui. Parce que quand vous lancez une boîte, soyez sûr que vous ayez quand même des revenus récurrents. Les revenus récurrents, c'est important. C'est bien de faire des sacrifices pour ta start-up, pour ton bébé, tu vois. Mais quand tu veux faire ça, il faut varier les recettes. C'est-à-dire, les recettes, les jeunes de la start-up, les revenus des jeunes de la start-up. Mais tu sais, j'allais forcément faire l'AMLO ou le TIANI, ou les KINMLO, il faut qu'on une activité génératrice de revenus annexe. Ça peut être du consulting, ça peut être de la formation, ça peut être des cours de soutien, ça peut être tout simplement tout ce qui est consommé par le marché. Chez les classiques, pour minimiser parfait, le risque. Parfait. Il a brillé installé l'interview et par des conseils. Oui. Pour les jeunes entrepreneurs, n'est-ce pas brillé dans des entreprises? J'aimerais les conseils sur ça. Ben, mon conseil de l'Oulani, vous commencez rapidement. C'est-à-dire, si vous voulez être un entrepreneur, il ne faut pas attendre 30 ans, 25 ans, le diplôme d'Yelk. Moi, je pense qu'il faut commencer, je ne développe un maximum d'erreurs. Je doute que la personne qui va réussir à l'avenir. Donc, comme d'habitude, je crée. Comme d'habitude, le succès comme qui va venir à la postérité. Donc, c'est le conseil. Peu importe où comme the big idea ou la grande idée ou tel. Tiens, les conseils, c'est la patience. Rien ne vient du premier coup. Tu vois, le Rome ne s'est pas fait en un jour. Surtout chez les projets ou les startups, il faut donner du temps au temps. Kezaku par exemple, l'Amloul, c'était pas du tout rentable, l'Amtiani c'était très difficile, l'Amtiani, alhamdoulilah, les choses commencent à mieux se porter. Donc voilà, il faut se mettre ça en tête, la patience. Et après, un troisième conseil, c'est un conseil de relationnel. Il faut très très bien s'entourer, parce qu'à un certain moment dans sa vie, on ne pourra avancer qu'avec les bonnes personnes. Les personnes qui ont un impact moyen ou négatif, il faut couper les mauvaises herbes. Donc, Meshi, s'entourer de beaucoup de personnes, c'est très bien s'entourer. Très bien, voilà, s'entourer c'est qualitativement. Oui. Et le conseil que je veux donner dans ce sens, c'est de créer de la synergie, c'est de créer du win-win.
ma relation avec Karim, par exemple, moi, j'essaierai toujours de lui donner avant de recevoir de sa part. Et quand je voudrai quelque chose de la part de Karim, il sera plus que ravi de me donner parce que tiens, je lui ai rendu des services, je lui ai fait des faveurs. Donc, essayez de créer de la valeur binatkoum. Et comme on dit, la citation Zouena, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Exactement. Et il a besoin les trois qualités pour toi essentielles pour celui qu'on ouvre un entrepreneur. Bon, comme je l'ai dit, d'abord, la patience, c'est comme savoir, c'est très important. Je dirais aussi qu'il doit être passionné. Passionné par ce qu'il fait, voilà. Par l'entrepreneuriat, par les challenges. Exactement, donc l'énergie intérieure, ce qu'on se rend, c'est-à-dire que des choses qui sont enthousiastes, bari dire les gens, tu vois. C'est important avec la motivation, la passion. Troisième conseil, il faut être très très à l'écoute des gens et surtout des gens que je connais, moi les clients. Que le mesmati nas, que le mesmati les feedbacks d'ailleurs, que le mesmati tu seras en mesure d'adapter ton service ou ton produit, il y a des nas à dos, que le mec connaisse bon le hal. Donc faut que vous deniez comme, que nous attentifs, n'interrompez pas les gens, et que le khair. D'accord, merci beaucoup aussi, Youssef. Je t'en prie, si Karim. C'était toujours un plaisir de te rencontrer. Donc, il a besoin de te souvenir, Youssef, est-ce qu'il a été dans les commentaires de tête ou radin goul halé, bachiatin, peut-être une autre session, les régions ferrées, les questions de l'homme, ou radin partager la vidéo, mais à quoi on va. Il a besoin d'autres entrepreneurs, comme Simia Dianès, les Britonnes Jibouhom. Il n'y a pas de souci, si vous avez des commentaires, si vous voulez, nous allons contacter. Nous allons voir une vidéo d'accord, mais nous allons rester entrepreneurs, nous allons voir des choses, nous allons voir des choses surtout, ou à la prochaine.